Amen. You may be seated. This morning I'd like to sing a song. And I'd like to dedicate this song to our prophet, Malachi 4, Brother William Marion Branham. À notre prophète William Marion Branham. And for the tremendous way et pour la façon he formidable brought to the bride of Jesus Christ. Dont il a mené l'époux de Jésus-Christ lorsqu'il était fatigué, qui chancelait sur l'estrade, comme vous l'avez déjà vu. Certains parmi vous, ont pu le voir, comment il était et comment il a donné son message que Dieu voulait qu'il donne afin que nous, en ce jour et en cet âge, puissions attendre ce puissant ministère, ce puissant déversement de la dynamique ainsi à notre prophète William Branham. Of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing, someone called a name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, I hear you preach on Sunday morn when I was only 8. And every week you'd say a prayer before the message would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus, in my heart. Remember the time you journeyed down to my church. Your preaching made me cry. You didn't have much strength then, but you gave out anyway. And Jesus blessed that sacrifice, and that's why we're here today. Giving to the Lord, I have a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. One by one they somehow touched by your generosity. The little things that you had done, the sacrifices made, unnoticed on this earth, but now in heaven it's proclaimed. And I know in heaven you're not supposed to cry,
But I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, just look around you, for great is your reward. Thank you for giving to the Lord. We have a life that's been changed. Thank you for giving to the Lord. We are so glad you gave. We want to say thank you for giving to giving to the Lord. We are so glad you gave. We are so hallelujah. Amazing grace. You know, when I sing a song like that, quand je chante des chants comme cela, you think about all the things that you do have to praise God for. Vous pensez à toutes les raisons que vous avez de louer le Seigneur. Think about the changes in our lives. Le changement dans notre vie. Think about your families. Think about pensez how he's kept you familles, together. Comment il vous a gardé. Think about those Satan is pulling and pulling. Pensez à tous ceux que le diable est en train d'attirer à lui. Mais il y a une puissante présence du Saint-Esprit ici et votre famille sera rassemblée. C'est par la grâce infinie de Dieu. Et voilà pourquoi nous chantons grâce infinie dans cette saison d'action de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. So blind, but this morning, now I see. Hallelujah! Sing it again. Well, amazing grace. Think about it. How sweet the sound. Oh, that's like me. I once
for, 'twas grace that taught my heart to fill, and grace, glory, fills really. Oh my, how precious did that grace appear in the hour I first believed. Oh Father, we thank you, we praise you. Père, nous te louons, nous te remercions. Nous te donnons la gloire. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory. Oh, hallelujah. 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 Glory, blessing, praises to the Lamb of glory. Gloire, bénédiction, louange à l'agneau de gloire pour la grâce du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous sentons ton onction dans la maison. Dieu Tout-Puissant, Père, déverse-toi sur les gens. Merci Seigneur Jésus. Que ce soit un jour spécial, Seigneur, un jour spécial pour un peuple spécial. Ce matin et ce soir, la vidéo, que la grâce de Dieu se déverse sur les gens. Glory. Hallelujah. Glory. I invite your attention to Psalm 133. Psaume 133. J'ai quelques commentaires avant de prêcher. Voici qu'il est bon et agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, ce que vous sentez maintenant, qui descendait sur la barbe d'Aaron. Et vous, cela descend de la tête sur le corps, comme vous le sentez maintenant, qui descendait sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là où, là à Sion, que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pouvez-vous asseoir. Bien, nous remercions certainement Dieu pour cette bénédiction, pour ce chant que Frère Belomo a chanté. Merci. Avez-vous apprécié ce chant et tout ce qu'il fait pour nous? Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Je sais que nous sommes tous reconnaissants pour ce chant, et pour moi c'est le ministère de Frère Branham. Et je veux vraiment remercier Dieu pour le prophète, car où serais-je aujourd'hui si je n'ai pas été sauvé par la grâce de Dieu, et puis encore davantage de grâce, parce qu'il y avait des centaines, des milliers qui étaient devant lui, mais qui n'ont jamais saisi le message. Et voilà pourquoi je remercie Dieu. Ainsi, je ne sais pas comment on peut venir ici ou là où le message sans louer le Seigneur pour quelque chose. Je veux dire, dans la Pentecôte, dénomination depuis 1946, ils ne seraient même pas là. Ils ne seront même pas là. Église. Si vous avez déjà entendu Dr. Ernie Stowell, dans une bande de 1958 en Philadelphie, c'était un scientifique. Il avait été sauvé dans les hommes d'affaires du plein évangile, il était avec eux. Il disait comment il était tellement heureux
l'un des scientifiques sur l'île de Weetok, où il testait, faisait les tests de la bombe atomique. Il faisait ces tests-là avec l'Angleterre et l'Amérique avant. Et si cette chose a explosé en lui, et cela aurait pu provoquer une réaction en chaîne pour aspirer l'eau de tous les océans. Mais Dieu l'a arrêté. Et cet homme se trouvait là. Ce n'était pas encore le temps. Cette eau va disparaître au temps de Dieu pour placer tout le peuple de Dieu là. Où mettre tous ces gens sauvés? Je veux dire que les 3/5 sont recouverts par l'eau, n'est-ce pas juste? Eh bien, c'est là où vous allez vivre. En haut, sur la montagne, dans la vallée, Jérusalem est ma demeure. Est-ce correct? Vous êtes dans la parole maintenant. Amen. Ainsi, je remercie Dieu pour le message de Malachi 4, ce qu'il signifie pour moi et la grâce. Oui, Dr. Stowell, il avait été sauvé. Il était là. 7000 personnes en Floride, il disait, « Seigneur, je suis un scientifique agnostique et maintenant tu m'as sauvé. » Il pleurait et tous ces gens-là, je vais être au ciel avec eux en Floride. Et tout à coup, le Saint-Esprit a dit, « Je vais te montrer par une vision. » Il était là au balcon. Et 7 personnes parmi ces 7000, il a dit, ils me verront face à face, mais pas le reste. Et cela lui est arrivé 2 fois. Et ils criaient, ils louaient Dieu, parlaient de louanges. Ils savaient qu'ils étaient sauvés, ils savaient qu'ils allaient au ciel, ils avaient des signes et des prodiges, et ils ne le verront pas face à face. Et Dieu nous a appelés, nous a fait sortir pour le voir face à face. Et il faut qu'on nous amorce et qu'on nous dise, qu'on nous parle de la grâce de Dieu et comment vous devez être sauvés et louer le Seigneur et chanter. Mais je remercie Dieu. Moi et mon épouse et ma famille, nous remercions Dieu. Parce que le Seigneur a enlevé les écailles de nos yeux pour nous faire voir la grâce de Dieu par le message de Malachi 4. Tu vois ça, frère Andy, seulement 7 parmi 7000. Alléluia. Pensez à ça quand vous êtes déprimé, que vous ne pouvez pas lever les mains. Oh, gloire à Dieu! Les gens ne savent même pas ce que sont les tonnerres. Vous voyez ce que je dis, Pennsylvanie? Vous avez vos batailles d'esprit. Qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Tout ça, c'est la chair. Un amour va entrer. Vous louez le Seigneur. Si vous regardez votre mari, vous le voyez sauvé. Pas tout bizarre, vous ne regardez pas ça. Si vous regardez votre épouse, vous la voyez sauvée. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai demandé à frère Bellomo. Je voulais qu'il dédicace ce chant pour frère Branham. Ainsi, je vais vous remercier New York City, l'Église, et tous ceux qui sont là, qui ont commencé avec les Armella, Sir Alma, Ortiz, les Hunt, Whitaker, Sir Nadine Kowalensky. Et elle est là, seule, son frère est parti, mère, père, et elle continue de tenir ferme. Que Dieu te bénisse, Nadine, elle était là, au commencement de l'Église, sœur Phyllis Seabrook, Carrie, Ben, les autres, nous avons commencé, et nous sommes encore là, par la grâce de Dieu. Oh, c'est la grâce de Dieu, frère Peters. Alors vous tous qui êtes venus après, ainsi je veux vous remercier New York City pour vous être identifiés avec ce ministère ici à New York. Et je veux remercier le ministère et les diacres, les huissiers, les musiciens et tous ceux qui aident pour m'avoir reçu comme serviteur de Dieu. Amen. Donnant l'écho du message de Malachi 4. Ainsi, merci à vous, New York. J'aimerais pouvoir le dire, mais je vous remercie de toute manière. J'aimerais pouvoir le chanter.
Et tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de rendre l'écho de ce qu'il a dit. Et il y en a tant qui se fâchent contre moi, ils ne comprennent pas ce que je fais. J'ai essayé de prêcher comme selon le Seigneur et pas selon l'homme, parce que c'est ce qu'il est écrit là dans les Colossiens. Vous savez, vous n'êtes pas ici pour Frère Coleman ou le conducteur de chant, mais c'est pour le Seigneur. Les gens pensent qu'il vous fait faire quelque chose. Non, il vous fait rien faire. Oh, gloire à Dieu. Colossiens 3, 23. Quelque chose que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur. Comme David, il avait vu l'arche en train de venir sur le chemin, il louait Dieu aussi fort qu'il le pouvait. Alléluia. Et toute cette... la fille du roi, elle regardait, elle se moquait, elle disait, regarde ce fou-là. Il est en train de danser là devant toutes ces femmes et tous ces gens. Gloire à Dieu. En train de se ridiculiser là. Et Dieu a fermé son sein. Ces églises dénominationnelles sont fermées, ne peuvent rien produire. Jésus dans les derniers jours, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, alléluia. Ainsi, je remercie Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur, mais pas pour les hommes. Ainsi, je n'ai pas prêché les frères, non, pas prêché pour les hommes. Je n'ai rien à voir avec cela. Pourquoi? En sachant ceci, que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez Jésus-Christ le Seigneur. Je ne sers pas ces gens-là, Trinidad, l'Europe. Je n'ai rien à voir du tout avec eux. Je remercie Dieu. Ils sont en train de marteler tout ce que je fais. Est-ce que je dis les tonnerres ou les sept tonnerres sont les sept vertus des sept âges de l'Église? Le Seigneur m'a dit de dire cela pour les rejeter. J'aurais pu dire que les sept tonnerres sont les sept yeux, ou les sept lampes, les sept esprits, ou les sept chandeliers. Mais il a dit, dis les vertus et regarde-les s'enfuir. Ils sont partis. Gloire à Dieu, voyez-vous. Il ne voulait pas qu'ils soient là. Mais vous, où iriez-vous? Seigneur, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Pouvez-vous asseoir. Vous savez, les 70 sont partis. Il voulait qu'il boive du sang, qu'il mange sa chair. C'est d'une chose dure. Comment pouvons-nous faire? Les sept tonnerres sont les sept vertus. Comment? Nous ne pouvons pas croire cela. Bien sûr que nous ne pouvons pas croire. Parce que vous n'avez pas de vie des sept vertus. Bien sûr, vous ne sentez rien. Je sais cela. Vous avez simplement l'onction des sept sceaux au-dessus de vous. Mais l'heure est arrivée en 1992 où il n'y a rien là. Gloire à Dieu. Eh bien, hallelujah. Ainsi, je remercie Dieu parce que vous allez recevoir la récompense, l'héritage du Seigneur. N'oubliez jamais cela maintenant, car vous servez le Seigneur en tant qu'individu. J'ai presque terminé, juste quelques 10 minutes pour vous remercier. 1 Thessaloniciens 2, 13. Pour ceci, nous remercions Dieu sans cesse parce que, regardez ici, lorsque vous l'avez reçu, la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez reçu non comme une parole des hommes. Maintenant, regardez ce qu'il dit là. Vous l'avez reçu non pas comme une parole. Ce sont deux mots différents là. Mais c'est traduit reçu, mais vous devez aller dans le grec pour comprendre ces deux mots. Voyez-vous? Quand vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous l'avez entendu, vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes, voyez-vous? Ce sont deux mots différents. Mais comme elle l'est, en vérité, la parole de Dieu, laquelle agit avec efficace en vous qui croyez. Ainsi, pensez les 18 dernières années, ceux qui ont cru, cela a agi
avec efficace en eux. Et ceux qui n'ont pas cru dans les 18 dernières années, ils sont partis. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci Seigneur d'avoir envoyé ce prophète avec les mystères, les sept sceaux, les sept tonnerres. Voilà tout ce que j'ai fait. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Voilà ce que j'ai fait. Une affaire individuelle. Deux mots différents. Le premier, recevoir, c'est recevoir quelque chose. Vous devez recevoir différentes personnes, ils viennent vous voir à la maison, vous devez les saluer. Que Dieu vous bénisse, gloire au Seigneur. Vous les recevez d'une manière formaliste, vous les recevez. Et certains viennent. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Je ne veux pas les voir. Il y en a qui mangent trop, ou bien qui gaspillent la nourriture, ou qui n'est pas propre. Mais vous devez le recevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est recevoir. Alors, quelqu'un d'autre que vous aimez vraiment, vous ouvrez la porte et vous l'embrassez, vous le recevez. Vous lui souhaitez la bienvenue. Oh! Comment ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh, certainement, tu me manques. Entre, laisse-moi t'embrasser. Très bien. J'ai presque terminé. Vous asseoir. Maintenant, vous allez comprendre les 18 dernières années. Combien on dit? Viens, frère Coleman, viens, donne-moi cette parole. Viens. Alléluia. Et les autres, oui, c'est une église dans le message à New York. Je suis là, je suis dans le message. Et qu'est-ce qu'il prêche ce matin? C'est reçu. Mais les autres, bienvenue. Il l'embrasse. Eh bien, vous recevrez votre récompense. Alléluia, à toi la gloire. Ainsi, tu vois ça, frère Peters, ça ne peut rien me faire. Je prêche la parole. Vous voyez, maintenant, dans le grec, 1 Thessaloniciens 2, 13, voici ce qu'il est dit ici dans le grec. Maintenant, je ne suis pas un érudit dans le grec, mais j'essaie simplement pour la compréhension. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu, parce que, regardez, en ayant reçu de nous ce message divin, vous l'avez reçu. Dans le grec, c'est marqué, vous l'avez embrassé. Non pas la parole des hommes. Frère Coleman est un huitième messager. C'est un l'homme des tonnerres. Hein? He's a great leader. C'est le grand leader. Daddy Grace, Father Divine, big denomination. Papa Grace. Thunders. Père divin, les tonnerres. See, oui. No, not you people here. Non, pas vous les gens ici. Vous l'avez embrassé. Not men's word. Non pas la parole des hommes. Hallelujah. Alléluia. Not thunders, non pas les tonnerres. But the inspiration that you checked out yourself. L'inspiration de cette tonnerre que vous avez vérifié vous-même. Vous avez donné les citations, les pages et tout. Ainsi, vous avez embrassé non pas la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, la parole de Dieu, laquelle agit aussi avec puissance en vous, les croyants. Alléluia. Si vous l'avez reçu, vous êtes puissant ce matin ici et autour du monde. Où vous avez reçu ces vidéos, ces cassettes, elles agissent avec puissance dans votre groupe et avec déversement du Saint-Esprit. Non pas la parole des hommes, mais vous avez embrassé la révélation. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas embrassé frère Coleman. Alléluia. Vous l'avez saisi? Amen. Nous sommes en feu. Tout peut arriver. Père, que le feu tombe. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons saisi. Voyez-vous, vous avez reçu la parole de Dieu, non comme quelque chose de fabriqué des hommes, mais comme elle est en vérité la parole de Dieu du message des sept sceaux des sept tonnerres de Malachie 4. Vous avez embrassé, vous l'avez souhaiter la bienvenue à cette inspiration et cette tonnerre pour vous donner toutes les promesses dans le pays promis.
Car les promesses vous ont été prêchées dans le pays promis. Depuis 1963, les anciens, jusqu'en juin 1974, jusqu'en 1992, continuent à prêcher ces promesses. Ainsi, je crois que vous avez toutes les preuves possibles, la parole de Dieu agissant avec puissance en vous qui croyez. Ainsi, de la part de Frère Robledo, du ministère, qui a prêché ici avec la parole, et tous ceux dans les champs, les villes de New York City, et ma famille, je désire vous dire à vous, Église, et à tous mes amis à l'extérieur, et à tous les ministres, et tous ceux qui croient, que Dieu bénisse tous les ministres, leurs familles, et les brebis de Dieu à qui ils prêchent. Et je veux vous remercier, les frères, parlant ici sur bande, parce que je sais que vous avez été maudits, je sais que vous avez été injuriés, vous avez été ridiculisés, etc., etc., pour avoir passé les cassettes et les vidéos d'un grand soi-disant leader. Je sais cela, je sais ce qu'ils disent. Un grand homme, et huitième messager, et j'avais entendu l'autre jour, là, prédicateur mystère. Eh bien, je prêche le mystère, Christ, Hallelujah. Le mystère de Dieu révélé. Vous savez, toutes ces histoires raciales au sujet de Cam et tout, mais tout ça, ça ne m'inquiète pas vraiment parce que ma sœur a épousé Moïse et aussi Joseph. Est-ce correct? Est-ce que Joseph n'est pas un type de Jésus-Christ, un type parfait de Christ? N'a-t-il pas épousé la fille de Cam en Égypte? Et Moïse n'a-t-il pas épousé aussi la fille d'un autre fils de Cam? Et un autre, Simon de Cyrène, qui a pris la croix pour aider le Seigneur. Ainsi, peu importe ce que disent tous ces gens, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, pouvez vous asseoir. Vous voyez ce que je dis? Ils vont voir qui est maudit. Ce n'est pas la couleur, mais ceux qui croient cet tonnerre. Oh, hallelujah. Cet tonnerre qui ont tonné là-bas, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Qui sont venus pour révéler toute la Bible par le prophète. Des tonnerres. Ainsi que Dieu vous bénisse, les frères, pour avoir supporté l'opprobre d'être identifié avec New York. Et merci pour votre position, et puisse-t-il commander la bénédiction du mont Sion pour vous bénir dans vos églises sur cette troisième phase, qu'il ouvre les fenêtres du ciel pour déverser les bénédictions sur vous, sur ce que je sens être la place en Christ, la troisième phase de l'épouse, en amenant le réveil de cette tonnerre de l'épouse dans votre église et dans votre région, ainsi que le Saint-Esprit peut l'amener là, le réveil. Nous en avons parlé par révélation, nous l'avons réclamé, ça m'appartient. Mais maintenant, ça va venir, frère Stolfer. Et la question, quelle est la troisième phase? Je l'ai dit dimanche passé, je vais le répéter. Pour moi, la place en Christ, où vous êtes placé en position de puissance et d'autorité, car la puissance de Dieu pour entrer dans l'Église, pour révéler cette tonnerre et pour l'adoption. Voilà tout ce qu'il en est. Maintenant, souvenez-vous, le message de cette sceau de cette tonnerre de Malachie 4, c'est une invitation au mariage, aux noces, particulièrement à vous en tant qu'individu, vous appelant à la résurrection et à l'enlèvement. Chaque parole. Pour le souper des noces de l'agneau dans les cieux. Le vêtement de noces doit vous être donné sur cette troisième phase, ce qui est revêtir toute l'armure de Dieu, de la foi jusqu'à la charité. C'est le vêtement de noces. Et nous allons nous tenir sur cette troisième phase et proclamer ce vêtement de noces qui est déjà révélé. Alléluia. Glory! Shot!
Amen. So there you are. Voici voilà. And remember, the Holy Spirit is the seventh tongue of Jesus Christ. Le Saint-Esprit, le septonnaire, Jésus-Christ, révélant par Malachie 4 les mystères de la Bible, de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Et voilà ce qu'est l'inspiration du septonnaire, la révélation de Jésus-Christ pour vous individuellement. Saint Matthieu 16, de 13 à 18. Qui les hommes disent-ils que moi je suis le Fils de l'homme? Qui les hommes disent-ils que moi je suis le septonnaire? Tu es le Christ, bien sûr. Le septonnaire oint la parole, c'est la parole ointe, le Messie pour cet âge. Alléluia, gloire à Dieu. Comment peuvent-ils briser cela, frère Peter? C'est complètement impossible. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous parle comme ceci ce matin. Vous êtes sur la troisième phase et votre entendement s'ouvre comme on vous l'avait dit. Et je parle pour ce matin et là où iront les bandes. Peut-être l'année prochaine, mais ce sera la troisième phase, et l'année prochaine, cela va s'ouvrir. Amen. Alléluia. Ainsi, vous avez saisi, ce n'est pas une doctrine. Il n'y a pas de doctrine de cette tonnerre qui sort de New York City. C'est le Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit, commençant avec l'affection fraternelle, l'eau pour l'âge, les sceaux qui ont identifié, l'affection fraternelle, l'eau, c'est la parole. Et alors, l'inspiration des sept tonnerres, la parole, c'est la sainte décence, le sang qui vous garde pur depuis 18 ans. Combien sont tombés dans le péché et ont fait des fautes, puis ils reviennent ici, c'est la tonne. Je vous pardonne. Et vous êtes encore vivant pour Dieu. Dieu ne va pas vous perdre. Il vous aime. C'est sa grâce. Le ministère qui tient ferme pour vous, lorsque vous abandonneriez vous-même, mais Christ, ici, le ministère de Christ, ne veut pas vous laisser partir, il va après les perdus. Adam, où es-tu? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. L'eau, le sang, et maintenant la place en Christ, l'Esprit. Qu'y a-t-il de si difficile, frère Stalford? Est-ce que ce n'est pas simple? L'eau, le sang, l'Esprit, trois marches. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Justifié par l'eau de la parole de Malachie 4. Identifiant l'affection fraternelle, doux dans la bouche, mais amère dans les entrailles. Va vers l'ange! Amen, frère Tice. La dynamique sur votre mécanique. Vous ne pouvez pas organiser les sept tonnerres. C'est une vie. C'est Christ vivant. Un saint tonnerre en vous. En douceur, en humilité, dans la charité. Marchant dans New York, dans tous les endroits, Jeffersonville, Tulsa, partout. Là où est ce message? Sinon, ce serait simplement un airain qui résonne, une timbale qui retentit, sans l'amour. Mais nous prêchons l'amour de Dieu ici. L'amour qui est déjà descendu pour libérer plusieurs. Ainsi que Dieu vous bénisse, New York, et que Dieu vous bénisse dans les États-Unis, frère Tom Dillard, qui est resté fidèlement avec moi depuis 1964, frère Musgrove, frère Wesco, frère Brown, dernièrement. Que Dieu vous bénisse, les frères. Et au Canada, frère Luke, frère Elstock et frère Cronkite. À Porto Rico, dans les Antilles, frère Lebron, frère Garcia, frère Ovid, frère Alvarez, Nanton, et les autres en Amérique du Sud et en Europe. Notre église se trouve, partie de nous, frère
frère Chandler, frère Yonker, frère Lamache, frère Tosca, frère Peruchou, frère Colombrenner, frère Mara. Et en Pologne, je ne peux pas donner tous ces noms polonais, Stanislav et l'autre Kupka, et frère Andrush de Tchécoslovaquie, et tous mes amis en Europe, que Dieu vous bénisse. En Afrique, au Nigeria, au Ghana, en Ouganda, au Kenya, en Afrique de l'Ouest, au Togo, partout là-bas. J'ai des amis partout. Amen, brother Olu, brother frère Olu, frère Anudu, Anudu, frère Uzo, Johnny, Quanti, tous mes amis, Ayo. God bless you, brethren. Que Dieu vous bénisse, les frères. Thank you. Maybe seated. Down in the South Africa, brother Thompson, en Afrique du Sud, Joe frère Thompson, frère Blair, à Durban, frère Twine, à P.E., frère Elisabeth, frère Owen Palm, à Kimberly, frère Freddy Esau, frère Dilo et Van Aard à Cape Town et les autres frères, tous mes autres frères, et aussi jusqu'à Nouvelle-Zélande et en Australie, et là où les bandes sont allées, que Dieu vous bénisse. Hallelujah. And may this song by Brother Belomo et que ce chant de Frère Belomo take you back to the prophet, vous ramène au prophète, pas à Frère Coleman. Détournez vos yeux des hommes parce que vous servez le Seigneur. Et tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Car c'est du Seigneur que vous recevrez votre récompense. Comme vous êtes debout, gloire au Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You've done. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we just raise up our hands and say, Father, we thank you. Pouvons-nous lever les mains et dire, Père, nous te remercions, nous te louons. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. Oh, praise God. Oh, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Oh, blessed be the name. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Let us have a word of prayer. Ayons un mot de prière. Heavenly Father, Père céleste, how we appreciate you. Combien nous t'apprécions. Lord, Seigneur, for blessing the little comments. Ces petits commentaires, mon salut pour les frères et le chant de frère Belomo qui a rendu hommage au prophète pour le message. Et j'ai essayé d'apporter ce message aussi parfaitement que possible en tant qu'écho pour cette église. Et tous les frères qui voulaient les bandes, je savais que faire. Eh bien, j'ai donné les bandes, mais je savais qu'il y aurait une persécution pour cela. Mais Seigneur, puisses-tu bénir les ministres pour leur position et les croyants qui sont restés là et qui ont traversé la persécution. Alléluia.
Praise God. Gloire au Seigneur. Déverse sur eux, Seigneur. Et maintenant même, frère Robledo, je crois qu'il est en train de prêcher dans l'église de Londres. Seigneur Dieu, déverse le Saint-Esprit sur eux maintenant. Alléluia. Béni frère Paul alors qu'il sert en tant que conducteur de chant et béni ma famille et tous les croyants et tous ceux qui sont ici, sois avec eux, Père. Et maintenant, oins-moi fraîchement pour ce message. Que la puissance du ciel descende maintenant. Alléluia. Pour apporter la parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Père, bénis la lecture de la parole. Bénis l'écoute. Et confirme la parole. Avec un puissant déversement du Saint-Esprit, une puissance, alors que nous prierons pour quelques personnes malades, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient complètement guéries par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Fortifie mon corps, Seigneur, et ceux qui ont des problèmes de bataille d'esprit, que cela disparaisse, alors que nous prêchons la foi du Dieu vivant dans les gens vivants, gloire à Dieu, l'Assemblée générale, dans le nom de Jésus, amen et amen. Alors que vous êtes debout, Marc 11, 2 Pierre 1 et Acte 1, 8. Ainsi, priez pour moi. Je suis très, très fatigué. Mes jambes n'en peuvent plus. Je vais prêcher sur la foi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons toujours utiliser la foi. Bien. La prière de la foi. 22nd verse, and Jesus answered and saith unto them, Have faith in God. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous le dis, quiconque dira cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il aura tout ce qu'il aura dit. Et le troisième pôle de Branham, voici l'écriture maintenant. C'est cette écriture du troisième pôle. Et elle est devenue la vôtre. Amen. C'est passé de lui à vous. Il vous l'a passé. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera fait. Maintenant, c'est très important ici, quand vous êtes debout, en train de prier, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnez point, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et voilà pourquoi les gens n'arrivent nulle part, c'est parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ainsi, j'espère que vous comprenez. Maintenant, 2 Pierre, l'écriture, tellement familier. Commençons verset 3. Selon sa puissance divine, qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, par lesquels il nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses. Voyez-vous ces promesses? Afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. C'est tout ce que j'ai fait pendant 18 ans en prêchant ces précieuses promesses, ayant fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus.
Christ. Amen. Et Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Praise the Lord. I don't want to look at my watch. I don't want to be too long. Je regarde ma montre parce que je ne veux pas être trop long. J'ai pris une vingtaine de minutes, une demi-heure pour faire des commentaires. Praise God. Gloire à Dieu. So now, Brother Maintenant, Frère Norman, un titre ici. Charity anointed. Les sept vertus ointes par la charité, regardez, libèrent la puissance vertu pour le service. C'est un message juste là, une révélation là. Mon sujet, la foi des sept tonnerres de Malachi 4 met le feu à la puissance du Saint-Esprit. Oh, amen. Alléluia. We're on the third phase. Nous sommes sur la troisième phase. We're looking for the faith from Malachi. Nous attendons à la foi de Malachi 4 pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit. So we see it. Amen. Alléluia. Glory, I'm on the beam now. Je suis en ligne maintenant. Amen. Alléluia. Hey, go on, my son. Praise God. Alléluia. Saint Marc 11, 22. Je n'ai pas beaucoup de force ainsi. Jésus, répondant leur dit, ayez foi en Dieu. En d'autres mots, ayez la foi de Dieu. La foi qui a été restaurée par Dieu dans le prophète. Et elle est sur bande, sur brochure. Ayez foi en Dieu. Et si vous n'entendez pas, si vous ne lisez pas, comment pouvez-vous avoir foi en Dieu? La foi de Dieu, alors que Dieu a fait descendre la foi qu'il l'a révélée. Yes. Oui. Hallelujah. Ainsi, ayez la foi de Dieu qui restaure la foi que Dieu donne. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu. Si vous aimez Dieu, alors vous allez croire sa parole. Hébreux dit, la foi est maintenant, non pas sera. Elle est maintenant la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas, on la voit. Votre guérison n'est pas là-bas, elle est ici. Votre scellement n'est pas loin, il est ici, maintenant, au temps présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Paul dit là dans Hébreux 11, la foi est maintenant, non pas elle sera, car ce serait seulement espérer, mais pas croire au temps présent et l'avoir. Tu vois, frère Philippe, tu vois ces gens là-bas, les gens sont assis sans avoir la foi. Et Malachi 4 l'a déjà restauré au temps présent, chaque fois que vous entendez ces bandes. Alléluia, c'est là, au temps présent. Alors, si les ministres ont le Saint-Esprit, s'ils prêchent ce que ce prophète a prêché, c'est là, au temps présent. Ils prophétisent le témoignage de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais non pas au temps présent le croire et l'avoir. La foi commence maintenant. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, qui n'est pas encore. Mais ce sera là. Il pleuvra. Mais ce sera là. 120 ans plus tard, il a plu. Alléluia. Croyez-vous que vous allez recevoir le Saint-Esprit? Vous allez le recevoir. Alléluia. Alléluia. It will rain.
il pleuvra. Les sept tonnerres donnent la foi. Croire au temps présent, aujourd'hui, maintenant même. Là-haut. Alléluia. Maintenant. Maintenant. Je ne serai pas un fils de Dieu quand j'irai au ciel. Je suis un fils de Dieu maintenant. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Alléluia. Glory. May be seated. Amen. La foi est quelque chose qui vous a été révélé et qui n'est pas encore. Mais vous croyez que ce sera. Et cela crée une atmosphère autour de vous. La foi est une révélation de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dit, prêche les sept tonnerres, donne la foi. Je l'ai trouvé. C'est pourquoi je l'ai prêché. Et ils se fâchent. Mais je suis dans la volonté de Dieu. La foi est une révélation de la volonté de Dieu. Tout ce que vous pouvez expliquer, vous qui êtes là en train d'attendre des explications, vous ne le recevrez jamais. Vous ne devez plus l'accepter alors. C'est par la foi. Des choses que nous ne pouvons pas expliquer, que nous devons accepter par la foi. Maintenant, comment pouvez-vous expliquer ce qu'est le Saint-Esprit, mais vous l'acceptez par la foi? Et nous avons un groupe de gens ici en 1983 qui ne pouvaient rien expliquer au sujet du Saint-Esprit. Et tout à coup, frère Robledo fut baptisé ici même. Alléluia. On est allé à Fort Wayne et le Saint-Esprit s'est déversé. J'ai posé ma main sur frère Bellomo dans ma maison et j'ai dit, Seigneur, scelle-le. Gloire à Dieu. Réemplis-le maintenant, Seigneur. La foi est maintenant. Maintenant, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit ce matin. Frère Fiori, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa maison? Le jour de la fête du travail, 9 personnes ont été scellées. Seigneur, réemplis ton serviteur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive, frère José Quignones? Il était là ici, en train d'être scellé, en train de crier, essayant d'être enlevé, scellé. Oh, l'ange du sceau ne vient pas, frère, il est ici maintenant même. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Yay, yay! Oh! So you may be seated. So you accept it today. Ainsi vous l'avez accepté aujourd'hui. Vous l'acceptez dimanche prochain, vous l'avez accepté. Alléluia! Glory to God! Hallelujah! Glory! We talk about now, brother Bobby. Nous parlons de maintenant, frère Bobby. Glory! Hallelujah. May be seated. We cannot explain God. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu. We just accept him. Nous l'acceptons simplement parce que nous savons qu'il est là. Savez-vous qu'il est ici? He's here to seal you. Il est ici pour vous sceller, pour vous bénir. Hallelujah. Hallelujah. He satisfies. Il donne satisfaction. He gives satisfaction. Il donne la satisfaction. Hallelujah. And by our faith, et par la foi, nous l'acceptons. When you accept it, lorsque vous l'acceptez, like comme ils l'ont fait en 1983, qu'est-ce qu'il fait alors? Il nous donne la réponse par le baptême du Saint-Esprit. Parce que vous avez dit gloire à Dieu, le baptême du Saint-Esprit descend. C'est la réponse de Dieu. Dieu répond toujours par le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, déverse le Saint-Esprit sur ces gens. Baptise-les dans le corps. Gloire à Dieu. Je peux à peine me tenir ici à la chair. L'onction est partout. Hallelujah. Oh, maybe seated. I'd just like to just stop. J'aimerais simplement m'arrêter. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay now. When you accept it by faith, lorsque vous l'acceptez par la foi, pas en essayant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, les tonnerres, vous ne pourrez jamais comprendre la mécanique, c'est le secret de Dieu. You just
Vous feriez mieux de connaître la dynamique, ce qui donne la pulsation, le feu. Voilà ce que vous voulez savoir. Pas la mécanique, les explications, qu'est-ce que c'est. Avant de croire, croyez-le. Et le feu descend. Alléluia. Frère Bobby, le feu est sur toi maintenant. Tu peux être scellé aujourd'hui, frère. Amen, frère Paul. Alléluia. Oh, amen. Maybe seated. He brings back the response to us. Il donne la réponse par le baptême du Saint-Esprit. Saint Matthieu 9, 29. La loi de Dieu. Alors il toucha leurs yeux. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous y voilà. Selon votre foi, au balcon, ici, en bas, à partir de maintenant, qu'il vous soit fait. Non pas essayer de comprendre, mais selon ta foi, Sally, qu'il te soit fait. Alléluia, sœur Sally. Alléluia. Oh. Maybe sit here. Now. Frère Coleman, vous dites que vous êtes fatigué. Oui. Les choses commencent par être un travail hébreu. Travaillons, faisons des efforts pour entrer dans le repos après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir été entré dans le pays promis, qui est un type du Saint-Esprit. Alors, ils ont dû travailler, ils ont dû se battre, Josué et les autres, et Caleb, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le repos. Vous recevez le Saint-Esprit là dans la foi. Alors, vous travaillez. Vertu, connaissance, en travail, combat, patience, tempérance, avec le fraternel, piété, en train de combattre. Et un jour, alléluia, peut-être c'est déjà arrivé le 27 septembre, ensuite descend la charité, immédiatement la grâce souveraine de Dieu est ici pour vous, pour pardonner vos péchés, pour vous laver dans le sang de Jésus-Christ et retourner dans la puissance de l'Esprit. Grâce, grâce à la pierre de fête. Alléluia. Et maintenant, c'est l'onction de Dieu, la charité, les vertus ointes par la charité pour libérer la puissance. Oh, alléluia. Alléluia. La foi commence en étant en travail, Hébreux 11, un combat. Timothée combat le bon combat de la foi, consumé dans un repos, Hébreux 4, 3. Le repos, c'est la charité. Mais lorsque vous commencez, alors c'est la foi. Et l'amour donne la foi. Ce n'est pas la foi qui donne l'amour. Parce que Dieu vous a aimé. Et c'est par sa grâce qu'il vous baptise. Alors, vous travaillez pour entrer dans son repos en ajoutant les vertus. Et vous combattez pour entrer là depuis 18 ans. Est-ce que la parole s'ouvre pour vous? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien. Vous avez saisi maintenant. La première étape de la foi, c'est toujours la bataille de se saisir par la volonté. Vous devez vouloir, vouloir le désirer. Alléluia. Ainsi donc, c'est par la volonté. Et qu'est-ce que la volonté? C'est une révélation dans le cœur. Voilà la volonté. Les sept tonnerres dans la foi, dans le cœur. La volonté. Gloire à Dieu. C'est dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? C'est là maintenant. Alléluia. Ça donne la foi. C'est dans mon cœur. C'est une révélation. Alléluia. Les sept tonnerres donnent la foi. Gloire. C'est dans mon cœur. Je dois le prêcher. Je dois le dire. Je ne peux pas le retenir. Pouvez-vous asseoir? Qui se saisit la volonté, pas ici, mais là, là, là en bas, la révélation d'une promesse, d'une vérité. Alléluia. Qui n'est pas encore réel pour nous en tant qu'expérience. Gloire. Les sept tonnerres ne sont pas encore réels dans une expérience, mais néanmoins, avec le cœur, une volonté, cela me donnera la grâce pour l'enlèvement. Dans les tonnerres, il y a le nouveau nom. Oh, alléluia, gloire. Un déversement du Saint-Esprit.
Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une bataille. Une bataille. Ainsi, pourquoi pleurer? Est-ce que Caleb et les autres n'ont-ils pas combattu? Et vous êtes des petites lavettes ou quoi? Non, je suis un soldat sur le champ de bataille, un soldat dans l'armée du Seigneur. Allons, vous, les soldats, conduisez-vous comme des hommes. Bien, c'est toujours une bataille. 18 années de bataille avec l'infection fraternelle. Frère Tony, ne pas céder, pas d'ici en haut, mais de là en bas. Une promesse, une vérité qui n'est pas encore réelle pour nous comme expérience. Mais vous savez, ce n'était pas rien en 74, 75, 76. Et ainsi de suite. Mais vous déclarez que ça vous appartient. Peu importe les apparences. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Peu importe si je fais des fautes, je tombe, je me relève. Ça m'appartient. Les tonnerres de frère Coleman, ils m'appartiennent. Je ne suis pas le huitième messager. Jésus-Christ est le huitième messager. La voix de l'archange est le huitième messager. C'est le messager en chef. Malachi 4 était le septième messager. Et Jésus-Christ est le huitième. Nouvelle création. Nouveau commencement. Alléluia. Un jour saint. Pas de commencement ni de fin. Et quand ceci entre en vous, alors il n'y aura plus de commencement, plus de fin. Toute l'éternité. Oh, frère Garcia, c'est le temps de commencer à marcher. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu. Nous déclarons que ça nous appartient, malgré l'apparence des gens. Certains qui s'en vont, qui se plaignent, ils ne veulent pas adorer Dieu, ils tombent dans le péché, malgré les apparences. Vous déclarez que ça vous appartient, frère Ralph. Alléluia. Ils se moquent de l'adoration, ils se moquent de ceci, de cela. Malgré tout ce dont ils se moquent, vous déclarez que c'est ainsi. Les sept tonnerres donnent la foi. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Ce n'est pas pour des hommes, pour le Seigneur. C'est mon héritage. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vous déclarez que c'est ainsi, peu importe les apparences. Il n'apparaît pas que nous soyons morts au péché. Vous ne vous sentez même pas comme étant mort au péché. Vous savez cela? Demain, vous allez le découvrir. Et peut-être même cet après-midi, en sortant. Vous n'êtes pas mort. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je t'ai fait quoi? Vous n'êtes pas encore mort. Gloire à Dieu. Eh bien, alléluia. Amen, frère Nino. Ils ont saisi. Il n'apparaît pas que nous soyons morts au péché et vivant seulement pour Dieu, marchant saint, saint, saint. Il n'apparaît pas. Nous continuons à nous battre pour être saint, saint, saint. Amen. Par la foi. Tu vois, frère Steve? Ainsi, il n'apparaît pas que nous soyons morts au péché et vivant pour Dieu. Nous connaissions la grâce pour l'enlèvement. Mais il nous est dit de le croire. Voilà tout. Et c'est ainsi que nous osons faire et que nous déclarons que c'est ainsi. Amen. Mille fois peut-être, la foi va être assailli et va chuter. L'incrédulité va dire, c'est du non-sens. Amen. Où est le nom nouveau? C'est du non-sens, les tonnerres. Et vous revenez. La réunion hier soir, mort, assis comme ça. Et vous revenez le soir suivant. Et Dieu vous donne de l'orge frais et ça explose en vous. Ainsi vous revenez. Et cela tonne. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi nous déclarons que c'est ainsi. Mille fois peut-être la foi va être assaillie et va chuter. L'incrédulité va dire non-sens, mais malgré quoi, malgré tout, c'est un combat. Ça veut dire que délibérément, nous revenons, nous croyons et nous le déclarons. Qu'est-ce que vous faites ici? Délibérément, je suis là, gloire à Dieu.
Je veux dire, je veux être là. Je veux prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Délibérément. Alléluia. Gloire à Dieu. Le combat, le travail, délibérément, nous retournons vers l'assaut, la charge, de la brigade légère dans la vallée de la mort. Les 600, je ne suis pas un poète maintenant, gloire à Dieu. C'était à l'école. Alléluia. Vous devez écouter frère Hunt qui récite cela. Praise God, amen. Glory. Ainsi mon Dieu, gloire à Dieu. Mais nous sommes l'épouse qui charge dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre, alléluia, avec la lumière dans la vallée, alléluia. Ainsi nous revenons à l'assaut. Encore une fois, nous croyons et nous le déclarons. Alors que nous suivons les empreintes d'Abraham, qui, par la foi et la patience, a hérité les promesses. Et quand ça arrive, alors quelque chose de nouveau va arriver sur vous, là, comme dans cette troisième phase, après 18 ans. Maintenant, quelque chose de nouveau va entrer. Quelque chose de nouveau va se passer en vous. L'esprit, la charité va coopérer avec notre foi, notre inspiration des sept tonnerres, notre foi, elle va commencer à coopérer alors que de manière invisible, il l'a toujours fait depuis 1963. De manière invisible, ici, tout le temps. Oh, alléluia! Il va se rendre visible. Et il a déjà commencé à le faire, vous savez, ressusciter les morts et les miracles d'une manière visible. Un signe pour vous. Oh, j'ai envie de m'asseoir. Oh là là. Gloire à Dieu. Une chose nouvelle va se passer en vous sur la troisième phase. La charité va coopérer avec notre foi, comme il l'a fait de manière invisible tout le temps, en 1963 et depuis 74 jusqu'à 92, 18 ans. Et à notre foi sera ajoutée une assurance bénie. Jésus m'appartient. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous y sommes. Ainsi, personne ne peut l'arrêter. J'ai terminé. Alléluia. Mon Dieu. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen, brother. Amen, frère. Yes, sir. Amen. I'm going to go down there. Well, if the Lord send me, amen. J'irai là, si le Seigneur m'envoie. To our faith. À notre foi. Sera ajoutée une assurance bénie. Le Saint-Esprit. La charité, l'amour. La dynamique. Oh, whatever word you can find. Quelle que soit la parole que vous pouvez trouver. Ce sera ajouté. Combattez. La lutte, les combats seront remplacés par le repos, le véritable baptême du Saint-Esprit. Le repos dans le Seigneur. Simplement marcher. Et quand vous marcherez, les morts ne pourront pas rester morts. Vous n'allez pas lutter dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Non, non, sors de là, Satan. Sors de là, démon. Vous marcherez dans la chambre d'un malade et ils seront directement guéris. C'est le repos. Vous n'allez plus lutter, combattre. Vous ne prierez plus pour les malades, mais vous allez commander aux démons de sortir. Alléluia. Ça, Mida. Praise God, amen. Oh, praise God. You may be seated. Le combat, les luttes seront remplacées par le repos, le véritable baptême du Saint-Esprit. Oh, mes frères, en Europe et partout. Alléluia. Nous y sommes. Gloire. Ils ne peuvent pas vous arrêter maintenant. Nous sommes sur l'express de l'enlèvement. Le météore d'argent. Montez à bord. Montez à bord. Quittez. Quittez cet endroit où se trouvent toutes les revues, les journaux, mais
Assurez-vous de remplir vos valises de brochures de la parole parlée. You know train, et vous savez, vous allez monter sur ce train, gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? La consommation de la foi a été atteinte. La charité, l'adoption commandée aux démons, pas seulement prier, mais chasser les démons. Il n'a pas dit vous allez prier et les chasser. Gloire à Dieu. Ce qui autrefois était un effort pour obtenir ou maintenir devient maintenant aussi naturel que respirer. C'était naturel pour Jésus de chasser des démons. Il était la parole. C'était très naturel pour Pierre de marcher et que tous soient guéris dans son ombre. La foi. Lutter ardemment pour cette foi. Restauré par Malachi 4. Oh. Alléluia. Oh my. Glory. Gloire à Dieu. Such is the law of faith according to your faith. Telle est la loi de la foi selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi sur la troisième phase. Est-ce que vous allez abandonner? Non, vous allez continuer. Vous allez être scellé et vous allez vous battre, vous combattre, et un jour ce sera consommé et vous allez vous reposer. Telle est la loi de la foi, que ce soit la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les dons, ou que ce soit le message de Malachi 4, Malachi 4, la promesse de 2 Pierre 1. Ajoutez à votre foi la charité, la foi, libérant le Saint-Esprit, le repos, oh là là, oh là là. Gloire à Dieu. Je pense que vous êtes fini. Et je suis encore arrivé nulle part. Très bien, gloire à Dieu. Hébreux 13, 8. Le prophète rend la parole réelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il montre aux gens l'heure dans laquelle nous vivons. Parce que s'ils ne le voient que dans le passé, avec les pentecôtistes et toutes leurs souillures, ils sont finis. Alléluia. Ainsi le prophète, s'il ne le voit que dans le passé, alors il n'y a pas d'espoir pour l'Église. C'est pourquoi l'Église doit le voir au temps présent. La foi est maintenant, maintenant, dans l'âge de l'épouse. Ainsi Dieu envoie son prophète pour manifester le temps présent. Ainsi nous l'avons vu en lui, mais ce sera en vous si vous pouvez attendre et avoir la foi et croire. Sinon il n'y aurait pas d'âge de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 16, Malachi 4, Saint-Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7, les sept sceaux, le message des sept sceaux, les sept tonnerres. Amen. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Peut-être 5 minutes, quelques citations. Hein? Je peux avancer un petit peu. Quel est ce message? Dans les sept sceaux, à la fin de l'âge pentecôtiste, nous sommes censés recevoir selon la parole que Dieu mette ce soir à vous montrer que nous devons recevoir un messager qui va rassembler tous ces points en suspens et révéler tout le secret de Dieu pour l'enlèvement de l'Église. Alors il va sortir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. Et certains disent, ils ne sont pas écrits, pas écrits, pas écrits, comme des petits poussins là. Mais le grand aigle dit, continue de lire. Gloire à Dieu. Avec un battement d'ailes, je vais les envoyer. Continue de lire. Alléluia. Continue de prêcher. Alléluia. Gloire à Dieu. Sœur Coleman. C'est pas écrit du tout, c'est juste. Et je crois que par ces sept tonnerres seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Voyez-vous pourquoi c'est maintenant? Parce que avec ce que nous avons maintenant même, nous ne pourrions pas le faire. Quelque chose doit se passer car nous ne pouvons pas avoir assez de foi pour la guérison divine à peine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un moment, pour être enlevés de cette terre. Maintenant, regardez. Et les petites poussins, là, si vous avez continué à lire, et nous allons découvrir après un temps, le Seigneur voulant découvrir où c'est écrit.
Hein? Voilà pourquoi je vous dis, avec toutes ces interprétations, mais c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. Pourquoi vous allez toujours dans les Antilles? Parce que c'est plus facile pour ma gorge. Mais c'est plus facile pour ma gorge. Comment allez-vous, tout le monde? Oui, il parle un peu en chantonnant. Alléluia, toi la gloire. Comprenez maintenant? Oui, c'est très facile. Ils savent ce dont je parle. Tout le monde est assis là sur la rue, c'est très facile. Bien, page 142. Très bien. Il parle ici de Jean. Il est sourd. Pensez-y, quand il a commencé à écrire sept tonnerres, il a dit ne l'écris pas. Il avait été commissionné d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais lorsque ces sept tonnerres d'Apocalypse 10 ont fait entendre leur voix, il a dit ne l'écris pas. Pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas ce qu'ils sont. Mais à mon opinion, ils vont être révélés bien, bientôt. Et à ce moment-là, ils donneront la foi pour la grâce de l'enlèvement pour cette église. Alors ils vous disent de ne pas le prêcher. Oh. Ils disent de ne pas le prêcher. Mon Dieu. Tu vois, ça, frère Philippe, ils disent de ne pas prêcher les tonnerres. C'est Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. We just move through everything that we know. Nous avançons au travers de tout ce que nous pouvons. Nous avons tout observé. Nous avons vu les mystères de Dieu. Nous avons vu l'apparition des grands rassemblements, les époux dans les derniers jours. Et cependant, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas éclairer. Il y a quelque chose. Mais j'imagine que lorsque ces mystères commenceront à sortir, il a dit, retenez-le maintenant. En 63. 4, 5. Retenez-le. Attendez une minute. Je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas, Jean, parce que sinon ils vont trébucher. Laisse-le aller. Mais je vais le révéler en ce jour-là, lorsqu'ils auront une raison de le voir. Est-ce le jour? C'est le jour. C'est le jour. Le prophète l'a déjà révélé. Mais nous avons besoin d'une révélation, frère Clauden, de ce qu'il a révélé. Alléluia. Gloire. Maintenant, l'agneau a montré à Jean un symbole des Écritures. Il a dit, ne dis pas ceci, exactement ce que c'est. Ne va pas, Jean, en train de dire, maintenant ceci est simplement ce que c'est, ou ce qu'il y a sous ce septième sceau. Voyez-vous ça, les frères? Voyez-vous pourquoi maintenant? Pennsylvanie, d'autres endroits. On ne peut pas expliquer ces choses à quelqu'un. Vous ne pouvez pas expliquer ce que frère Coleman fait et pourquoi vous conduisez 4 heures pour venir ici. Vous ne pouvez pas leur expliquer, n'essayez même pas. Vous ne pouvez rien expliquer, voyez-vous. Il dit, sous le septième sceau, tout ce que nous savons, c'est que ça a retenti sept fois. N'allez pas leur dire, car si j'ai dit cela à Jean, alors il aurait tout écrit sous le septième sceau, placé sous forme de symbole. Frère Branham a dit que sa vision de la tente était un symbole pour le septième sceau, et il l'a glissé là directement, le troisième poule. Mais n'allez pas dire cela. Prêchez la parole, Christ, aux gens. Au travers des âges, tout le plan, c'est un secret, voyez-vous. Sa venue, personne ne saurait. Quand je vais venir, c'est tout. Ce n'est pas votre affaire de savoir quand, mais soyez simplement prêts quand je viendrai. Soyez prêts quand il viendra. Page 155, les sept tonnerres d'Apocalypse, il montre à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Alléluia. Il montre à l'épouse. Page 253. Où en suis-je maintenant?
250, nous voilà. Now we're looking for revival. Maintenant, nous attendons le réveil. Il y a eu toutes sortes de réveils dénominationnels, 253. Maintenant, voilà la raison aujourd'hui. Ils placent des credos et tout le reste. Pas la parole, voyez-vous. Nous avons des réveils dénominationnels. Nous n'avons pas encore eu de véritable mouvement. Non, monsieur, ne pensez pas que nous avons eu un réveil. Il y en a des millions de membres de l'Église, mais pas encore de réveil. Pas de réveil nulle part. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas eu de réveil là-bas. Pas de manifestation de Dieu pour remuer l'épouse. Voyez-vous, nous nous y attendons. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller. Pourquoi à nouveau? Parce qu'il vous a réveillé la première fois. Et il continue d'attendre dans le message. Ainsi, il faudra les tonnerres pour la réveiller à nouveau. Allez à la rencontre de l'époux. Alléluia. Il est déjà venu. Je vous accuse de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Pour la réveiller. Laissez-y maintenant. Ok, laissez-moi me dépêcher. Je dois faire rentrer ceci, je dois faire rentrer ceci. Gloire à Dieu, c'est entré. Alléluia, gloire, gloire. Oh, alléluia. My. Oh. Amen. I ain't crazy, man. Je ne suis pas fou. Praise God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Maybe seated. Pouvez vous asseoir. Okay, Revelation 10. Apocalypse 10. Le septième ange, ton ministère était de révéler tous les mystères. Croyez-vous cela? Ok. Page 147, Revelation 10, 7, Apocalypse 10, 7, au jour de la voix du septième ange, la parole de Frère Branham ici, le dernier ange, l'ange terrestre, cet ange vient du ciel, ça c'est Christ là, ce n'est pas lui, il est venu du ciel, mais il parle ici de la voix du septième ange, et ange signifie messager, tout le monde sait cela, un messager dans l'âge de l'église, mais au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à retentir le mystère, les sept sceaux au pluriel, tous les mystères de Dieu devraient être terminés comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Le mystère entier s'est dévoilé. C'est le ministère de cet ange. C'est aussi simple, voyez-vous. Ça passe au-dessus de la tête des gens. Mais ici, ce sera parfaitement confirmé partout. Ce sera parfaitement confirmé. Tous ceux qui veulent le voir pourront le voir. Pendant 18 ans, s'ils voulaient le voir, ils auraient pu le voir. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est juste. Jésus a dit, il a dit, quand il viendra, et je l'ai lu ici directement. Ils n'ont pas besoin que je le lise, mais je suis simplement venu pour rappeler aux frères ce que Pierre et Paul et Malachi 4 ont dit. Amen. Oh, alléluia. Jésus a dit, ils ont des yeux, ils ne peuvent voir. Ésaïe a dit, vous avez des oreilles, ne pouvez pas entendre. Ainsi, nous allons découvrir cela. Amen. Maintenant ici, page 575, j'y suis presque, encore quelques minutes. Oui. Okay, page 575, page 575, les sept sceaux. Maintenant, l'ouverture de ce septième sceau. Le septième sceau. C'est aussi un mystère en trois parties. Et j'en ai parlé, et j'en parlerai. L'un, c'est le mystère de ces sept tonnerres. Les sept tonnerres qui ont dévoilé ce mystère, ce sera juste à la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne saurait quand il reviendrait. C'est très important parce que je pense que je prêche les sept tonnerres. Sous le septième sceau, je prêche qu'ils sont connectés avec la venue du Seigneur. Et le feu s'est déversé. Parce qu'ils étaient effectivement connectés. Et il vous l'a dit ici en 1963, et c'était le cas. Oh là là. Oh, ne voulez-vous pas venir au dévoilement du Dieu puissant? Oh, le dévoilement du Dieu puissant. Et qu'en est-il du Dieu puissant dévoilé? Où a-t-il été dévoilé? Très bel moment. Hallelujah.
Comment le savez-vous? J'étais là. Je suis identifié. Je suis identifié. Alléluia. Avec New York City. Oh, n'est-ce pas merveilleux, frère Andy, de revenir et de dévoiler Dieu. Alléluia. Je ne pensais pas à le dire, mais ça a été dit. Je ne sais pas. Ça ne doit pas être. Mais quelle merveilleuse pensée je suis en train de penser. Quelle merveilleuse pensée je suis en train de penser. Dévoiler Dieu. Manifester Dieu. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Oh. Avez-vous remarqué lorsque les Juifs lui ont posé la question? Les Écritures ici, Matthieu 24, sixième sceau. Comprenez-vous la parole? Il ne pouvait pas expliquer le septième sceau parce que il savait été laissé de côté. Et s'il a prêché, c'est une citation. Il devait ouvrir le mystère de six sceaux. Ensuite, la parole serait révélée par le Fils de l'homme, le septième sceau, voilé dans le septième ange. Oh, alléluia! Mon Dieu! En train de tonner sept tonnerres! Alors, cela a continué pendant une vingtaine d'années, et puis quelqu'un, un groupe quelque part, va sortir pour la réveiller à nouveau! La réveiller à nouveau! Mais ce devra être Christ, le même Christ qui était dans le prophète pour la réveiller à nouveau. J'ai essayé pendant 18 ans et je n'ai rien pu faire. Mais peut-être que Christ va venir avec la même vie et les mêmes signes et les mêmes prodiges. Jésus qui était voilé dans le prophète et qui a prêché les sept tonnerres. Et peut-être que cela va la réveiller à nouveau. Alléluia. Gloire. Bien, pouvez-vous asseoir. J'en arrive à mon temps maintenant. Bien. Christ, le septième sceau a été laissé de côté parce que pas même un ange. C'était pas écrit parce que cela vient. Voyez-vous, une phase, le cri, la voix, la trompette. Nous sommes dans l'avenue, nous sommes dans le cri. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sœur, vous êtes déjà dans la venue du Seigneur. Vous êtes dans le cri. Comment devrions-nous être? Voyez-vous, ce n'était même pas écrit, c'était le silence. Rien n'est arrivé, les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il viendra. Maintenant, regardez. Mais il y aura sept voix de sept tonnerres qui vont révéler le grand mystère à ce moment-là. Alors, à la page 304, ce groupe, ils attendent que le septième tonnerre révèle ses voix à ce groupe parce que le prophète devait aller chercher la septième voix pour révéler la grande révélation des tonnerres à lui. Et lui, il a reçu des voix et il a placé sur bande et des brochures. Et maintenant, nous attendons depuis qu'il est parti que ce sept tonnerres fasse entendre leur voix. C'est sur vos bandes et sur vos brochures comme parole, mais un groupe élu dans le message, là, sur la troisième phase, sous la puissance de Dieu, ça va tonner ses voix. Oh, gloire à Dieu. Et il m'inquiète tout le temps. Oh là là, mon Dieu, avez-vous saisi l'église? N'êtes-vous pas heureux, frère Roman? Oh, laissez-moi vous donner mon témoignage. Gloire à Dieu. Je me souviens, le 17 mars jusqu'au 24, 1963, c'était les sept sceaux. En 1974, il est venu, c'était le même jour dans l'année que 1963. Ainsi donc, j'avais été invité à Porto Rico pour prêcher pour Frère Candelario le week-end du 15 au 17 mars. C'est lorsqu'il a prêché Dieu dans la simplicité, le 17, et j'étais là en 1974. Il m'a dit que je devais aller dans la maison de David Raymond pour me reposer une semaine. Il m'a dit de prendre les sept sceaux
Et il m'avait dit que je devais passer un sceau chaque jour de cette... Autrement dit, le 18 mars 1974, c'était le même jour que le 18 mars, il avait révélé le premier sceau en 1963. Donc je devais écouter le premier sceau le même jour en 1974. Et j'étais assis là, en train de passer la bande. J'étais fatigué, j'étais à moitié endormi, je sommeillais, mais je devais le faire. Et tout à coup, je suis arrivé à la page 128 là-bas, et il a dit « Arrête la cassette !» J'ai sauté, repasse là. Je l'ai repassé. Je savais qu'il se passait quelque chose. Je l'ai repassé. Et sept tonnerres seront révélés là, directement. À ce moment-là, vous rassemblez les gens. Et voilà comment ça se passe là. Il a dit, quel est le but des tonnerres? Et ça a explosé en moi. Qu'est-ce qui a explosé en moi? Je l'avais étudié depuis 1963. Voilà ce qui a explosé. Ainsi, comment pouvez-vous avoir quelque chose qui explose en vous si vous n'écoutez pas les bandes? Je vous donne mon propre témoignage. La promesse a explosé en moi. J'ai dit, oh mon Dieu, elle va rassembler les gens. Elle va donner la foi. Il leur montre comment se préparer pour la foi de l'enlèvement. C'est le réveil de l'épouse. Ce sera révélé. J'étais hors de moi. Je marchais, je faisais les 100 pas. Je ne savais pas ce qu'ils étaient. Mais j'étais en feu. Le 18 mars 1974. Alléluia. C'est mon témoignage. Et plus tard, le 20 septembre, quelque chose d'autre est arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. Maybe seated. Les pages mêmes que j'avais entendues, que j'avais lues depuis 1963 ont explosé en moi. J'attendrai la foi pour la foi dans l'enlèvement. Elles vont rassembler le peuple de Dieu. Elles vont montrer comment se préparer pour la grande foi dans l'enlèvement. 253, le réveil de cette année de l'épouse. Gloire à Dieu. Je lisais la statue de l'homme parfait. Mon Dieu, dans cette statue de l'homme parfait, cela tonnait. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis, eh bien, les vertus, comprenez. Amen. Eh bien, alléluia, gloire à Dieu. Ainsi, étudiez la parole. Prenez les brochures de l'ange. Alléluia. Je vous dis simplement ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit ici se déverse pour vous le dire. Voilà comment cela peut exploser en vous. C'est lorsque vous l'avez en vous. Gloire à Dieu. Bien. J'essaie d'aider les gens ici, nos précieux frères et sœurs là-bas. Question et réponse COD. Question 129E. Les sept tonnerres qui sont égaux aux sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais pas connus à nous encore en tant que tonnerre, frère Branham? Non, ils ont été révélés dans les sept sceaux. Voilà ce qu'il en était des sept tonnerres. Ils devaient révéler. Qu'est-ce que ça a à voir avec frère Coleman? Les tonnerres devaient révéler toute la parole de Dieu, le cavalier au cheval blanc, cheval roux, pâle, les âmes sous l'autel. Ils devaient révéler. Eh bien, s'ils n'ont pas révélé la parole, comment est-ce que pouvaient-ils recevoir tous ces messages comme mariage, divorce et tous les autres? D'où cela est-il venu? Ça a été révélé. Ils étaient là pour révéler les sept tonnerres qui ont fait retentir leur voix et que personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui fut interdit d'écrire. Il a dit, mais le septième ange, au jour de sa voix, les sept mystères des sept tonnerres seraient révélés. Maintenant, regardez, pour assurer ici. Et le septième ange est un messager du septième ange de l'Église. Ainsi, c'est dans cet âge-ci. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Où en sommes-nous? Oh là là. Oh là là, vous semblez fatigué. Vous avez
Criez tout ce que vous pouviez. Bien. Lorsque le prophète vient, alors après qu'il ait donné son message, alors c'est de l'histoire. C'est un message maintenant pour l'épouse en ce temps de l'enlèvement. Je veux dire, c'est un message maintenant. Ainsi, je ne sais pas ce que vous attendez. La foi est maintenant au temps présent. Au temps présent, oui, vous êtes dans le cri. Vous êtes dans la venue du Seigneur, c'est au temps présent. C'est quelque chose qui est en train de se passer. La voix, et puis la dernière trompette, la trompette sonnera. Ce ne sera plus au temps présent. Alléluia. Écrit, et puis voici que vient, maman, papa. Oh, alléluia. Mais maintenant, la foi est... Criez maintenant. Le cri est maintenant. Alléluia. Oh, alléluia. Les choses que le prophète a prononcées lorsqu'elles se produisent, tout ce qu'il a dit au sujet d'épouse, lorsque ça arrive, Ézéchiel 33 dit, un prophète, lorsqu'il parle et que sa prophétie s'accomplit, lorsqu'elle s'accomplit, voici, cela s'accomplira. Alors, ils sauront qu'un prophète s'est tenu au milieu d'eux. Certainement, Élie est déjà venu. Alléluia, frère. Quand Dieu rend cela réel à tous ces gens qui sont là-bas, oh, ils louent toujours Dieu pour quelque chose qui est dans le passé et puis dans l'avenir. Mais ici même, maintenant, ils ignorent. Et voilà où Dieu se cache, là, ici, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ces Écritures, la Bible, aujourd'hui, ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Élie est déjà venu, il a restauré la foi originale, la foi dans le cœur des enfants. Amen. Mon Dieu, frère Garcia, gloire à Dieu. Encore quelques citations. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la fête des trompettes, pages 19 et 20, Apocalypse 10, 1 à 7, tous les mystères doivent être révélés à l'épouse par le messager de Laodicée. Maintenant, il m'a dit de faire ceci. Amen. Ainsi, vous devez savoir d'où ça vient, pas de moi. Il dit, l'ange, un aigle, messager, en ce jour-là, il le verra descendre et manger le petit livre. Il a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer, et il a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Et à ce moment-là, les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Maintenant, regardez. Et lorsque les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, Jean était sur le point d'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Et il a scellé. Où l'a-t-il scellé? Dans la révélation de Jésus-Christ. Sur le dos de la Bible. Les tonnerres le détiennent. Alléluia. Alléluia. Scelle-le. Sur le dos. Ne l'écris pas. Si Satan s'en saisissait, il pourrait faire un grand dommage. Alléluia. Et je le révélerai à qui je le veux. Au pape, non. Aux constructeurs, non. Les gardiens, les concierges, les dignitaires, non. À qui je veux. Les pauvres saints là, Trinidad, Amérique du Sud, en Afrique, à ceux-là, je le révélerai à qui je veux. Non pas ces empesés, nous sommes le message. Gloire à Dieu. Fini ces histoires. Qui vous êtes? Vous n'êtes rien. Gloire à Dieu. Ne l'écris pas. Il l'a scellé. Regardez quelqu'un. Eh bien, le septième sceau, c'est tonnerre. Alors, frère Branham, ils seront révélés dans les derniers jours. Un grand mystère. Comment se rapprocher de Dieu? Ils peuvent vivre comme un démon depuis 1965. Et ils sont assis là en train d'attendre, en regardant la télévision et tout. Et ils attendent ce grand mystère qui va être révélé parce qu'ils sont l'épouse en Amérique. Ils ne louent pas le Seigneur. Et si vous trouvez une citation,
situation. Ils vous appellent des wagons vides et toutes sortes de choses. Et j'ai donné ici ce message dans le frère Kelly. Elle criait, elle avait été guérie. Frère Branham dit, c'était comme l'armée du salut. Et frère Branham disait, crions avec elle. Et eux, ils me disent que je ne peux pas crier. Des empesés, froids, raides, formalistes dans le message. Le prophète a aussi dit. Il a aussi dit cela. Gloire à Dieu. Pouvez-vous vous asseoir. Il trouve toutes les citations où ne criez pas, restez silencieux, pas de bruit, pas de Dieu. Alléluia. Ils ne veulent pas. Voilà, je ne peux rien faire d'autre. Gloire à Dieu. Est-ce que ce sera un grand mystère comment se rapprocher de Dieu? Non, monsieur. Ça ne peut pas être. Quiconque ôtera une parole ou y ajoutera une parole, il ôtera sa part du livre de vie. Ce que c'est? C'est une révélation de ce qui a été manqué là-bas. C'est déjà écrit ici. C'est ici. C'est pour révéler. La parole. Ça a déjà été écrit parce que vous ne pouvez rien ajouter ou rien retrancher. Et cet honneur, c'était Christ. Christ sous le septième sceau. Et je suis en train de le prouver. Prouver le septième sceau, là, sur le champ. Les anciens savent ce dont je parle. Okay, one more quote here. Encore une citation ici. 64, je passe ici à la nourriture spirituelle en sa saison. Vous avez entendu le témoignage là au commencement du septième sceau, lorsque les sept anges sont venus afin de pyramide. Il m'a dit, retourne et parle de ces sept sceaux. Il a dit qu'ils seraient avec moi, il m'a montré ce qu'ils étaient. Les choses perdues. Je pensais toujours, le prophète est honnête ici, il dit, je pensais toujours que c'était scellé sur le dos du livre et que c'était pas écrit dans le livre, c'est juste là. Il a dit lui-même, je pensais toujours cela. Je lis. Voilà pourquoi vous devez écouter et lire les brochures. Avez-vous entendu ce que j'ai dit au sujet de Frère Branham? Il a dit. Alors allez répéter cela dans vos groupes morts. Je vous défie de dire tout ce qu'il a dit. Oh, vous recevez le Fils de l'homme et ses paroles ou bien simplement le Fils de l'homme. Est-ce que vous recevez toutes ses paroles? Certains croient le Fils de l'homme. Je crois que c'est le prophète, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit les sept années vous donnent la foi? Vous vous rassemblez? Alors vous feriez mieux de le dire. Oh, gloire! Il lui montre ce que c'était, les choses perdues. Je pensais toujours que c'était quelque chose sur le dos. Tout le monde s'attendait à cela, voyez-vous. Mais il s'est avéré qu'il ne peut pas faire cela. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas écrit dans le livre. Autrement dit, l'accent n'est pas là-dessus. C'est quelque chose qui a été caché dans le livre. Caché dans le livre, car quiconque ôtera quelque chose ou y ajoutera, voyez, donc c'est un mystère qui est dans le livre, et dans les sept âges de l'Église, chacun a produit un mystère, le baptême de l'eau et les autres dons. Eh bien, gloire à Dieu. Dans la fête des trompettes, il dit là, à la page 29, on n'est pas exactement cela. Ils avaient fait une faute là dans la brochure, mais si vous écoutez la bande, alors que cette église, et cette partie-là n'est pas dans la brochure, l'épouse est rassemblée, et les sept tonnerres, c'est ce qui la rassemble, elle est enlevée dans ce mystère du septième sceau, où l'enlèvement du septième sceau, le départ, et les Juifs sont appelés par le mystère de la septième trompette, Moïse et Élie, et seuls 144 000 parmi des millions vont recevoir le mystère de la trompette. Et combien peu reçoivent le mystère du septième sceau, les sept tonnerres qui tonnent et qui révèlent les choses qui sont perdues? Qui peut le recevoir? Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire. Oh, alléluia.
Yes, sir. Glory. May be seated. Shall I read that one again? Est-ce que je vais le relire? Ce n'est pas dans les brochures, c'est sur la bande. Dès que cette église, l'épouse, est rassemblée, et les sept tonnerres, c'est ce qui les rassemble, et le cri la rassemble. Alléluia. Et le Seigneur lui-même est descendu avec un cri pour ramener l'épouse, ce qui est le tonnerre qui tonne. Et l'épouse est enlevée dans ce mystère du septième sceau, la venue du Seigneur, ou le septième sceau. Et les Juifs sont appelés par le mystère de la septième trompette, qui appelle les Juifs, les 144 000, et l'épouse est appelée par le mystère du septième sceau, les tonnerres. Et les sept tonnerres détiennent le mystère depuis les 18 dernières années. Les retiennent. Alléluia. Et les sept tonnerres donnent la foi pour, ne donnent pas simplement la grâce pour l'enlèvement, mais donnent la foi. Et la foi doit être coiffée par l'amour. Et l'amour est la grâce de Dieu, la sœur jumelle, qui vient de venir vers vous sur la troisième phase. Alléluia. Et lorsque l'amour viendra, vous verrez la grâce pour l'enlèvement. Nous voulons en parler la semaine prochaine, le mari et la femme, l'amour et la foi, et les relations de famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Très bien. Où en suis-je? Mon Dieu. Le message de sept sceaux, des sept tonnerres de Malachi 4 et des sept tonnerres doivent révéler, je travaille là-dessus, gloire à Dieu, et introduisent le Messie, révèle les mystères des sept sceaux qui viennent vers nous en tant que parole de Dieu. Les mystères eux-mêmes descendent du ciel, sont descendus vers le prophète, et Dieu lui a révélé, lorsqu'il le parle, c'est dans la parole. Alors, il révèle ce qui est dans la parole. Regardez le mystère de mariage et divorce. Il était là dans le canyon et la colonne de feu était là en train de descendre sur lui et lui a dit, retourne et va prêcher mariage et divorce. Et dans le secret c'était 1 Corinthiens 12, 12 à 15, ce n'est pas moi, mais le Seigneur. Et Frère Branham a dit, non pas le Seigneur, mais moi je vous dis, vous êtes libre, ne le faites plus. Le mystère de mariage et divorce révélé par le prophète de 1 Corinthiens 7, de 12 à 15. Oh, vous êtes complètement pétrifié, hein? Et l'autre partie, ça c'est simplement la première partie, mais l'autre partie, c'est l'union invisible de l'épouse. Vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Oh, quel message d'action de grâce! Vous n'avez jamais commis fornication avant d'être sauvé. Vous ne l'avez jamais fait. Vous n'avez jamais commis adultère. Vous n'avez jamais rien fait avant d'avoir fait cela. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen, frère Canada. Canada. Alléluia. Praise God. Cet homme était en train de mourir et maintenant il est vivant. Alléluia. C'est une manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il révèle tous les mystères comme parole pour nous donner la foi apostolique originale, la promesse de la dynamique et la mécanique ensemble. La foi des sept tonnerres ointe nous a été donnée par Malachi 4. Recevez sa parole au temps présent de la foi et maintenant. Alors observez la foi des sept tonnerres, mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit. Vous devez le recevoir. Amen. Question. Qu'est-ce qui libère la vertu puissance pour le service? Les sept vertus ointes par la charité libèrent la vertu puissance pour le service. Ointes par la charité? Oui, bien sûr, je vais vous le prouver. Acte 1:8 dit, mais vous recevrez la puissance quand? Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Oh, je vois. Ainsi, je ne peux pas recevoir cette puissance avant que le Saint-Esprit vienne sur moi. Bien, comment faire cela? Ok.
Vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit, après qu'il soit venu sur vous, maintenant la puissance. Que signifie ce mot? Dans le grec, dynamis, une puissance inhérente, capable de se reproduire comme une dynamo. Très bien. Je vais devoir bientôt terminer. Nous découvrons le même mot, la puissance, dans 2 Pierre 1, 3. Je vous ai dit au commencement, la puissance divine, c'est dynamis. C'est aussi le même mot dans Actes 1, 8. Saint Luc 24, vous recevrez la puissance, c'est dynamis. Aussi Actes 3, 8, Actes 4, 7, Actes 4, 38, une grande puissance, dynamis, la dynamique. Oh, gloire à Dieu. Il y a un petit oiseau qui vole là. Faites pas attention. Regardez ici. Il n'a rien à vous dire, lui. Il n'a pas le mystère. Il sort d'ici. Gloire au Seigneur. 2 Pierre 1, la puissance divine. Vous voyez aussi le même mot dans 1 Corinthiens 4, 19. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Oh, hallelujah. 1 Thessaloniciens 1, 5. Nous venons vers vous, non pas en parole, mais en démonstration du Saint-Esprit de puissance. Oui, monsieur. L'évangile. Amen. Et 2 Timothée 1, 5 à 6. Remuez le don de Dieu. Je dois me dépêcher maintenant, je ne peux pas lire toutes les Écritures. Le don, il fait référence ici en tant que feu, qui n'est pas, s'il n'est pas remué fréquemment, et qu'on n'y ajoute pas de fuel, de carburant, il va s'éteindre. Ainsi, vous recevez le Saint-Esprit dans l'âge de la Pentecôte. Et vous entendez la même chose, toujours la même chose. Et puis tout à coup, en 1956, j'aime Lucy. Et puis Elvis Presley. Je ne suis rien d'autre qu'un chien. Et oui, toutes ces choses. Nettoyer tout ça, cet esprit s'est libéré là en Amérique, dans les pentecôtistes. Alors ce sont eux qui sont devenus des chiens, des chiens de chasse. Il a admis lui-même que c'était un pentecôtiste. Gloire à Dieu. Oh oui, monsieur. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Ainsi vous avez besoin de carburant, sinon ça va s'éteindre. Oui. À propos, je ne suis pas un prédicateur dans le grec, mais Alan. Kindle, un mot grec signifie rallumer, ajouter du carburant frais. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Malachi 4 dans le temps de la fin. L'église pentecôtiste s'éteint, c'est fini. Et puis tout à coup, Malachi 4 vient en 1946 pour réveiller, remettre du feu, du carburant. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Les gens du Saint-Esprit étaient presque morts avec le Saint-Esprit et leur naissance. Et le réveil de la guérison était là. Et Dieu vous a attendu là, ici, à la fin, le réveil de la parole. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oui! C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Malachi 4 au temps de la fin, parce que les feux de la Pentecôte 1906 s'éteignent pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était le jugement contre l'Église pour être entré en dénomination des assemblées, Four Square, UPC, le nom de Jésus et tous les autres. Est-ce que je vous dis la vérité? C'est là que les feux s'éteignent. Et si jamais Dieu envoie quelque chose, ce sera la grâce de Dieu. Ainsi, il a envoyé Malachi 4 avec les trois poules, le don de guérison et le message des sept sceaux des sept tonnerres pour libérer l'Église, pour appeler le réveil, pour faire sortir l'épouse par le message des sept sceaux, pour restaurer la foi apostolique originelle avec la promesse du réemplissage de la dynamique pour l'épouse. Amen. À la fois la mécanique et la dynamique ensemble. Alléluia. Gloire. Maintenant la puissance, dynamis, une dynamo, la dynamique, un baptême, gloire à Dieu, beaucoup de réemplissage. Et c'est là où nous sommes de retour maintenant. Je m'attends à mon réemplissage, réemplissage après réemplissage. Et ils étaient tous ensemble et ils priaient. Et le bâtiment trembla. Pourquoi?
les païens ragent-ils gloire à Dieu. Et il a fait trembler tout le bâtiment et il fut à nouveau rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous ne voulez pas être dans une réunion comme cela? Est-ce que vous ne voulez-vous pas être dans une saison comme ça? Nous y sommes maintenant. Alléluia. Oh gloire. Un baptême et beaucoup de remplissage. Et réveiller le don et ramener le réveil de cette tonnerre. Oh frère Tony. Amen. 2 Pierre 1, 3. La puissance divine, selon sa puissance divine qui nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Le même mot « puissance » est traduit ici comme « vertu » dans Saint Marc 5, qui a touché mes vêtements, car je perçois qu'une vertu est sortie de moi, une puissance. Dit le grec. Et là, ce mot a été utilisé 3 fois parlant de Jésus et Saint Marc 5:30, Saint Luc, car une vertu est sortie de lui et les guérissait tous. Saint Luc 8:46, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, car je perçois qu'une vertu est sortie de moi. Et ce mot est un mot grec qui signifie puissance, une dynamique, dynamis est sortie. Et qui est Jésus? La charité. Qui libère. La vertu puissance pour le service. Il l'a libéré. Il était toute la parole. Il était toutes les vertus. Il était l'agneau, il était les yeux, l'esprit, tout. L'onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la dernière fois où j'ai prêché le 11 octobre, retourné dans la puissance de l'Esprit, il a pris la parole de l'Esprit et taillé les démons en lamelles comme nous l'avons fait pendant les 18 dernières années. Maintenant, nous retournons dans la puissance de l'Esprit. Alléluia. La vertu puissance pour le service. Puissance, dynamis, une puissance inhérente. Je vais terminer maintenant. La puissance, dynamis, puissance inhérente, une puissance pour se reproduire. Cela implique qu'il faut une activité constante, un usage pour une reproduction continuelle. Ainsi, restez assis là. J'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Pas d'adoration, rien. Une activité constante, louant le Seigneur, baignant là dans la révélation avec des larmes. Des larmes, merci Seigneur pour la révélation. Une activité constante en train de prier, de remercier Dieu. Et il y a quelque chose qui est en train de remuer là, entendant la parole par révélation. Gloire! Alléluia! Sinon, vous allez être endormi comme Israël qui est mort dans le désert avec tous leurs signes et leurs prodiges. Oh là là, mon Dieu, une reproduction constante. Nous avons le mot anglais dynamo, la dynamique qui vient de ce mot grec, la branche de la dynamique qui traite du mouvement, le Saint-Esprit dans la chambre haute. J'ai le Saint-Esprit. Imaginez ça. Je descends les marches. Alléluia. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Allons. C'est ce qu'ils disent dans le message. Gloire à Dieu. Le puissant Jéhovah est sur moi. Je suis la personne la plus qualifiée ici à Jérusalem pour parler la parole. Est-ce que c'est ça qu'Étienne a dit? Plein de puissance, en train de tituber. Alléluia, gloire à Dieu. Marie poussait des cris sous la puissance. Aucun être humain ne peut contenir la dynamique. De quoi parlez-vous? Restez calme et silencieux. Vous avez besoin du Saint-Esprit, frère. Vous avez besoin du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Oh, amen.
La branche de la dynamique qui traite du mouvement, le principe de l'action, c'est comme une dynamo qui a besoin d'être en action pour produire du courant. Il faut remuer les flammes, remuer le don, raviver. Et Malachi 4 a révélé comment faire dans le lever du soleil, le blasphématoire, l'adoption et ainsi de suite. Remarquez. Remuez votre foi. La foi libère la puissance. Vertu pour le service. Le Saint-Esprit est ajouté à l'affection fraternelle. Alors vous avez le véritable baptême du Saint-Esprit qui scelle vos sept vertus et qui vient alors sur vous. Et maintenant c'est sur vous. Et alors, quand il est sur vous, le Saint-Esprit, l'amour, la charité, coiffe. Alors, vous recevrez la puissance. Le secret est sorti. La stature de l'homme parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous le voyez. Les noms blasphématoires, la stature de l'homme parfait. Voilà comment le prophète vous a montré comment le faire ajouter à votre foi parce qu'il savait que vous ne pouviez pas avoir de puissance. Et il avait la parole pendant les sept âges de l'église et il est resté là. Jusqu'à arriver au sommet, alors le Saint-Esprit lui-même vient sur vous et libère la vertu puissance pour le service. La vertu puissance pour le service. Amen, frère Steve, tu le vois maintenant, c'est aussi simple. La parole s'ouvre à vous maintenant. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Acte 1:8, vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Avez-vous saisi maintenant? Maintenant, en 1995, je pense que j'étais avec frère Frank, je l'ai vu à ce moment-là. C'était trop tôt, à Tulsa là-bas. Le message de Malachi 4 nous montre comment faire descendre le Saint-Esprit sur notre foi en ajoutant les sept vertus. Et alors la charité, l'amour descend sur vous dans le véritable baptême du Saint-Esprit. Oh, hallelujah. À ce moment-là, la charité et cette vertu vont être par la charité libère la vertu puissance pour le service sur cette troisième phase. Oh là là. Je voulais parler de l'adoption et les noms blasphématoires. Je crois que je viens de parler de cela parce qu'il est dit là-bas. 39. Je vais parler à la page 39, je n'ai plus de temps. Dans les noms blasphématoires, page 39, c'est une naissance. Je suis né dans ceci, 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 et dans ceci. Ça fait sept fois. Il le dit. Sept. Douleur d'enfantement par Malachi 4. Et alors l'amour de Dieu, Christ, descend et scelle tout cela en moi pour le service. Comment? Il libère la vertu puissance pour le service, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Alléluia, Église! Nous avons besoin de la dynamique et de la mécanique ensemble, frère. Gloire à Dieu! Alléluia! Nous mettons trop l'accent sur la mécanique, mais ce qu'il nous faut, c'est la dynamique. Alléluia. Gloire. La foi parfaite, alléluia. Page 10, la foi parfaite. Frère Branham a dit, maintenant souvenez-vous, les disciples avaient la puissance. Ça avait été vivifié. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts. Chasser les démons quelques jours auparavant, vous avez la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle, voilà l'Église, voilà l'épouse aujourd'hui, et cela demeure aujourd'hui, juste comme le prophète l'a dit, le Saint-Esprit est ici, avec la puissance, parce que la puissance se trouve dans le Saint-Esprit, et vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit avant d'ajouter la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, et alors le Saint-Esprit descend sur vous, et vous oint, il oint vos sept vertus, et de la sort la puissance. Et vous n'allez pas pouvoir changer cela. Alléluia, personne ne pourra le changer. Gloire à Dieu. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance. Mais vous n'avez pas la foi
Vous n'avez pas cette foi pour la mettre en action. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut la foi pour la mettre en action. Voilà ce qu'il faut. La foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit que nous avons maintenant depuis qu'il est venu sur vous, sur nous. C'est sept sceaux, c'est sept tonnerres, le Saint-Esprit du prophète, le Fils de l'homme, sur les gens, un esprit sur l'épouse. Mais les sept tonnerres donnent la foi. Et ça, c'est un petit quelque chose. Ainsi, avant d'ajouter cela, vous avez besoin des sept tonnerres pour oindre votre foi avec laquelle vous êtes sorti de l'église pentecôtiste en titubant. La foi pour mettre le feu, pour voir des grandes choses. Oh là là, mon Dieu. Oh, hallelujah. Well, I might as well, I'll just put this on the tape here. Eh bien, je vais continuer. Amen. Je ferai aussi bien de mettre ça sur bande dans le lever du soleil. Je l'ai dit bien souvent, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, finalement, ils vont comprendre. Béni soit le nom du Seigneur. Nous mettons trop d'accent sur la mécanique à la page 17, rien sur la dynamique. Il faut la puissance de la dynamique, la puissance de Dieu, la puissance de résurrection sur l'Église pour manifester et pour montrer que c'est de l'essence. Il nous faut la manifestation du Saint-Esprit sur cette épouse pour manifester, pour prouver que c'est la parole de Malachie 4, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles dans l'Église apostolique. La dynamique pour faire cela. Alléluia. Amen. Il y a eu des églises, des églises, des épouses, des épouses, des églises, des épouses, des épouses. Et il doit en venir une, alléluia, il doit en venir une véritable épouse, une réelle, qui n'a pas seulement la mécanique, mais la dynamique pour faire vivre cette église, avancer de la puissance de la résurrection, jusqu'à ce que nous arrivions à cet endroit-là, jusqu'à ce que nous trouvions cet endroit-là, la place en Christ, la troisième phase, jusqu'à ce que nous la trouvions. Venez vous réjouir avec moi, je pense que nous l'avons trouvée. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia! Jusqu'à ce que... Amen! Alléluia! Jusqu'à ce que nous trouvions cet endroit. Quel bien cela fait-il de polir les pare-chocs, de simoniser la voiture, un travail minutieux, gloire à Dieu. Vous pouvez détailler chaque partie de la voiture, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas l'essence, elle va rouiller dans votre garage, gloire à Dieu. Et, ou bien quelqu'un va la voler. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel bien cela fait-il de simoniser les voitures s'il n'y a pas de dynamique? Peu importe combien la mécanique s'avère être bonne, il faut la dynamique pour la mettre en action. Il l'a prouvé, gloire à Dieu. Voilà ce que Pâques a prouvé. Il n'est pas seulement la parole, mais c'était Dieu lui-même, la dynamique sur la parole, qui a fait que le corps froid, raide de Jésus est sorti et ressuscité. Il a roulé la pierre, gloire à Dieu. Je suis celui qui était mort. Au point où le soleil et la lune ont dit qu'il était mort, les étoiles ont dit qu'il était mort, toute la nature a dit qu'il était mort, et maintenant le monde entier doit reconnaître qu'il est vivant à nouveau. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, il était la dynamique pour le prouver. Alléluia. Pendant 18 ans, est-ce que la parole de Dieu a été prêchée? Est-ce que vous l'avez embrassé? Maintenant, la dynamique est ici, gloire à Dieu, pour mettre cette puissance avec efficacité en vous, gloire à Dieu. Alors, l'épouse, si elle est dans l'époux, elle doit sortir, il doit y avoir une manifestation, alléluia, l'accomplissement de la révélation de tout ce qui a été parlé à l'épouse. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi je prêche au sujet de l'épouse, et frère Branham a dit de le prêcher. Ils se fâchent, parce que je prêche les promesses de l'épouse. Si c'est différent de l'époux, alors ce n'est pas l'époux. S'ils ne pardonnent pas pour ce qu'ils pensent qui est une erreur, alors ils ne sont pas l'époux. Ils ont le mauvais esprit. Voilà comment je peux le savoir. Ils ne me pardonnent pas. Voici, frère, ce gars des tonnerres. Le huitième messager. Oui, le huitième messager est en moi. Hallelujah! Alléluia, gloire à Dieu.
Si c'est différent de l'épouse, ce n'est pas l'épouse. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'elle est chair de sa chair, haut de ses os, puissance de sa puissance. Elle est lui. Comme l'homme et la femme sont un, je vais prêcher la semaine prochaine. L'homme qui a été, la femme qui a été prise de son côté, chair de sa chair, à la fois la mécanique et la dynamique. Et sa chair, tout cela étant assemblé ensemble, la mécanique et la dynamique, est-ce correct? Dieu a pris une partie de la chair d'Adam, sa côte, et il a oint l'esprit d'Ève avec l'esprit d'Adam. Elle était haut de ses os, esprit de son esprit. Ainsi l'époux sera de même, haut de ses os, chair de sa chair et esprit de son esprit. Ils seront un, la même personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Glory, glory, glory. Amen. Until the church. Jusqu'à ce que l'Église, toutes ces cérémonies, grandes églises, jusqu'à ce qu'elles deviennent à la fois la mécanique et la dynamique ensemble. Et voilà comme je me tiens ici, j'ai parcouru le monde, peu importe ce que vous avez ou qui se trouve là, je dois voir la dynamique et la mécanique ensemble, sinon ce n'est pas l'épouse. Amen. Jusqu'à ce que l'Église devienne à la fois la mécanique et la dynamique et faire les choses qu'il a faites. De même sera l'épouse. Saint Jean 14, 12, celui qui croit en moi les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Je leur donnerai une charge de ma dynamique sur leur mécanique. Et le monde ne pourra pas résister. Et je le ressusciterai le dernier jour. C'est le message de Pâques. La dynamique et la mécanique ensemble. La mécanique sans la dynamique, ce n'est pas bon. Dynamis. Sans la dynamis, sans la vertu qui coule, ce n'est pas bon. Amen. Same works. Amen. Les mêmes œuvres. Vous pouvez crier, poser des cris, sauter, faire ce que vous voulez, et renier cette parole, ça ne vous fera pas le bon. Les pistons ne font que de tourner à vide, il n'y a pas d'étincelle là pour mettre le feu. Ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ensemble. Maintenant, voyez-vous pourquoi l'inspiration des sept tonnerres, l'inspiration des sept tonnerres n'a pas pu marcher? Parce qu'elle ne peut marcher que lorsque la dynamique frappe la mécanique. Et alors, elles agiront ensemble sur la troisième phase, la place en Christ, là où se trouve l'Esprit. Alors, observez l'Esprit, touchez, frappez la révélation des sept tonnerres. Vous avez la foi, hein? Le cœur, la volonté. Alors, observez l'Esprit quand il va frapper cela. Alors, regardez la combustion qui va se produire. Avance! Gloire à Dieu. Ça ne peut fonctionner que lorsqu'ils sont ensemble. Il y en a une qui va rester immobile et l'autre qui va avancer. Peut-être que les deux sont identiques, elles proclament être la même. Mais l'une a la dynamique et la mécanique pour faire s'accomplir les choses. Amen. Ce qu'il dit est la vérité. Peu importe combien la mécanique est bonne, à moins que la dynamique ne vienne, lorsque la dynamique vient, alors, le feu met le contact avec l'essence, elle met cela en action, il y a une combustion. La vie de la dynamique, lorsqu'elle rencontre la vie de la parole qui est en vous, la mécanique, ça explose. Alors vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli de la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Peu importe combien la mécanique est bonne, il faut que la dynamique vienne, il faut qu'il y ait une combustion pour mettre en action, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la résurrection, c'est la véritable puissance de Dieu, la mécanique et la dynamique ensemble. Comme mon Père a mis le feu, m'a mis le feu en moi, et me pousse, je fais ce qui plaît à mon Père. Colmy m'a envoyé, moi aussi je vous envoie avec la même mécanique, et il faudra la même dynamique pour la mettre en action. Alléluia. Et ces signes suivront ceux qui proclament avoir la dynamique. Et c'est la dynamique qui prendra sa place dans le message, ils proclament avoir la mécanique de Frère Branham. Ainsi, je ne me soucie pas d'eux parce que je sais qu'il n'y a pas de dynamique là. Oh, je sens que vous êtes finis. Les musiciens, je pense que vous ne pouvez plus rien avaler. Alléluia.
Amen. Je pense que vous êtes saturé là depuis 20 minutes. À la page 32. Là, le Fils doit être révélé à nouveau dans l'épouse dans les derniers jours. Une puissance vivifiante qui doit venir pour vivifier hors de ces dénominations mortes la parole du Dieu vivant, les vivifier dans une vie nouvelle. Il fait la même chose maintenant. Remarquez, alors, ils furent tellement vivifiés dans la chambre haute. Écoutez attentivement. J'essaie de vous montrer. La puissance vivifiante n'était pas seulement dans leur âme. Une naissance. Une nouvelle naissance là. Mais elle était partout sur eux et elle les gardait vivants. Alléluia. Il le dit là. Elle était partout sur eux. La dynamique n'est pas seulement venue pour vivifier leur mécanique ici, mais elle a vivifié tout. Ils étaient tellement vivifiés au point où leur langue a commencé à parler d'autres langues. Ils furent tellement vivifiés par la puissance de résurrection de Christ au point où ils imposaient les mains aux malades. La puissance vivifiante. Ils étaient guéris. Elle va vivifier votre corps mortel. Ils furent guéris par l'imposition des mains. Alléluia. Oh, church, oh, Église, nous y sommes. Amen. So can you see what the seven seals ainsi, pouvez-vous voir ce qu'est le septième sceau et ce qu'est la puissance de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, les sept tonnerres mettent le feu à la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous ne voyons que le message des sept tonnerres, le message des sept tonnerres de Malachie 4, pour nous donner le feu qui produit cette combustion. Eh bien, gloire à Dieu. Je ne peux achever ici le reste. Je dois abréger. Ainsi, c'est terminé. Je veux ici arriver à la fin. Vous devez reconnaître votre position, les amis, savoir qui vous êtes. Amen. Je pense que je vais encore vous lire une chose ici, dans la foi parfaite, parce que quelque chose est arrivé ici. Tout le monde est assis silencieux. Je pensais que vous seriez en feu dans la foi parfaite. Page 24. Jésus avait la foi parfaite, vous le comprenez. Combien comprennent ceci? La femme qui a touché le bord de ses vêtements. J'ai pas le temps de lire. Elle avait une foi parfaite pour ce temps-là. Abraham avait une foi parfaite pour son temps. De même Noé et Moïse. Comprenez-vous ce que je dis? J'ai eu la foi parfaite dans mon propre témoignage, de temps en temps, parce que j'étais au tabernacle en 1960. Et le Saint-Esprit m'avait dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Et frère Ortiz était là, et tout à coup, je ne savais que dire. Il s'en allait, s'en allait. Je suis arrivé là, et tout à coup le Saint-Esprit a vivifié la parole que j'avais au tabernacle au mois de novembre. Là, il dit, frère Perez, tu ne mourras pas. N'était-ce pas la foi parfaite pour ce temps-là? Ça m'a été vivifié hier. Vous pouvez rester debout. Tu ne mourras pas, mais regardez, mais tu vivras pour voir les œuvres de l'Éternel. Ainsi, hier, j'étais en train de lire ça. Attendez une minute. Il était en train de mourir. Alors Dieu l'a sauvé et l'a guéri de cette attaque. Il était parti. Et un mois plus tard, le 20 mars, je priais pour Francis Whitaker et frère Perez était en train de mourir, mais ça avait été parlé. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour voir les œuvres de l'Éternel. Et frère Perez, il est ici ce matin. Le voilà. Il a vécu jusqu'à la troisième phase pour voir les œuvres de l'Éternel. Il a vu Nelly ressusciter. Canada, Frère Ortiz, Frère Perez a vu les œuvres de l'Éternel. Oh, Église, mon Dieu. Alléluia. Glory to God. Amen. Do you understand what I'm talking about? Comprenez-vous ce dont je parle? Oh, listen. Écoutez, la foi des sept tonnerres amène à la perfection votre foi. Lorsque vous ajoutez la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, etc. à cette chose, alors votre foi des sept tonnerres
est amené à la perfection, dans un état d'achèvement, une foi parfaite, alors Dieu le voit, il envoie l'amour dessus pour produire la foi parfaite. Oh, ne pouvez-vous pas crier quelque chose? Et alors, vous marchez comme Jésus, à la page 24. Par sa foi en sa parole, il peut conquérir toute chose, la mort, l'enfer, le tombeau. Nous savons que Dieu est Dieu, que la foi parfaite de Dieu, en la parole de Dieu, parfaite, a tout conquis. La mort ne pouvait pas rester à sa présence, j'essaie de vous le dire. La maladie ne pouvait pas rester dans sa présence. Ça coulait de lui des fleuves de vertu. Cela coulait constamment. Une dynamo qui se rechargeait constamment. Parce qu'il était la parole continuait de venir en lui, continuellement rechargeant les batteries. Et voilà avec le prophète, la parole de Dieu qui vient au prophète. Et elle viendra vers vous, Saint Jean 5, 19. Et vous ne ferez rien à moins que Dieu ne vous le montre. La parole de Dieu qui entre, qui vous recharge. Ainsi dit le Seigneur. Va là. Va ici, va là. Parle la parole. Rechargez la dynamo qui est en action. Oh, alléluia! Des fleuves de vertu qui sortent constamment. La vertu qui coulait de ses vêtements. Et les gens qui étaient dans son ombre, simplement mettre le doigt sur son vêtement. Cette femme a fait cela. Et tout le monde voulait toucher son vêtement parce qu'ils avaient vu que la vertu coulait constamment de lui. Et vous aurez un vêtement spirituel à l'intérieur. Le vêtement de noces, de la foi à la charité sera dans votre cœur. Il sera partout autour de vous. Et voilà, l'ombre de Pierre, il touchait en fait le vêtement. Oh, hallelujah! Le toucher, frère Peters, parce qu'il voyait que la vertu coulait constamment de lui, coulait comme des fleuves. Il marchait là avec une foi parfaite, parce qu'il était la parole. Si vous demeurez à moi, dit Saint Jean, et si mes paroles demeurent en vous, alors vous marchez de la même manière. La vertu, des vertus qui coulent de vous, la puissance divine. Les fleuves de la fontaine des bénédictions de Dieu qui coulent pour les gens. Alors, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas de l'imagination, mais ça se passe réellement. Vous le voyez. Si vous l'imaginez, ça ne servira à rien. Mais si c'est là véritablement, alors ça arrive véritablement. Donnez-moi l'air, l'un d'entre eux, frère Venomo, je suis l'un d'entre eux. Oh, laissez-moi respirer, laissez-moi souffler.
out there.